Nous sommes en direct live avec le vice-président de l'association Éole Muret. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, j'ai bien prononcé, André? Ah. Andreas Frick, voilà. Andreas. Je suis d'origine allemande, donc le nom n'est pas très, très commode en français. Bon, moi je vais dire Andreas, ça va être beaucoup plus simple. On va se dire tu pendant cet échange, bien sûr, pour faire la promotion du championnat du monde des planeurs télécommandés. Ça, c'est une originalité, en tout cas chez nous. Ça va se passer dans le Limoux, dans l'Aude, du 6 au 12. Alors, on va parler non pas technique, hein, parce qu'on s'adresse à un public qui est très, très large. On voit en même temps qu'on échange, on voit des images qui ont été tournées en 2019 avec ces planeurs. On se demande déjà quelle taille ils font, ces planeurs, parce que c'est vrai que vu à l'écran comme ça, on a l'impression que c'est des petits modèles. Mais non, pas du tout. Hein. Non, ils ne sont pas si petits que ça. Les machines de course font à peu près 3 mètres d'envergure. Ah oui. Et ils ont un poids vide de 2,3 kg. Et en fonction des conditions du vent, donc quand on a un vent très fort, on ajoutera du ballast et on peut atteindre un poids qui peut aller jusqu'à 5 kg. Alors, pour faire ça, il faut être... Alors là, je l'ai dit, c'est quand même... Un gros événement, c'est le championnat du monde, c'est pas n'importe quoi. Ça va représenter combien de concurrents? Est-ce qu'il y a des pays étrangers qui viennent ou pas? Oui, tout à fait. Donc, inscrits sont 55 pilotes de 19 nations. Et les nations qui sont les plus loin, donc un peu exotiques, mais qui ont tout à fait expérimenté dans la discipline, donc c'est l'Australie, c'est le Japon, c'est le Taïwan, c'est le Hong Kong. C'est des pays où moi-même, j'ai déjà participé à des championnats, en particulier à Taïwan. Donc, ce sont des gens qui font quand même le tour de la moitié du globe pour nous rejoindre dans le Limouxine autour de Limoux. Andreas, vice-président, mais aussi pilote? Tout à fait, pilote, et dans l'équipe de France des équipes précédentes, et aussi multiples chefs d'équipe dans des missions qui nous ont amenés en Allemagne, en Danemark et en Slovaquie pour diriger l'équipe de France. Et sur cette expérience, cette année, je me suis lancé à être moi-même l'organisateur, donc je n'ai aucun rôle dans l'équipe de France. Alors là, on joue pas petit, on joue lourd quand même. Qui avait gagné les autres années? Est-ce que la France avait eu une place? Ce qui peut nous intéresser quand même, on va être chauvin. Ah oui, tout à fait. Donc, la France s'en est toujours tirée avec des médailles. Donc, je suis quand même toujours revenu avec des médailles. En or, en équipe, en individuel, deux fois la troisième place. Et donc, notre cador, Sébastien Lannes, qui cette année a une forte position à jouer. Et donc, on compte sur des places sur le podium, que ce sera en individuel et en équipe. D'accord. Alors, pour que les gens se situent bien, malgré les images qu'on peut voir à l'écran en ce moment, ça va se passer du 6 au 12 octobre sur les pentes dans l'Aube. C'est une obligation que ça se situe sur des pentes? Oui, tout à fait, parce que nos planeurs sont dépourvus de propulsion, donc on n'a ni moteur électrique, ni moteur thermique, on est des planeurs purs, aucune propulsion. Donc, ça veut dire aussi pas de bruit, autre que le vent. Et donc, l'air qui sera projeté vers le haut, crée une portance permanente dans laquelle évolue le planeur. Donc, un planeur qui doit chuter, parce que sinon, il ne peut pas voler, il ne peut pas avancer. C'est quand même la vitesse qui tient un engin en l'air. Et donc, en relief d'une pente est primordial pour exécuter ce sport et du vent. Et donc, dit relief, dit vent, on est évidemment dans une région propice. Et là, c'est autour de Limoux qu'on trouve ce genre de conditions et ça fait très longtemps qu'on vole sur ces pentes. Et alors, il y a des gens qui sont peut-être professionnels du modélisme, qui ont des télécommandes comme ça, ou de drones. Moi qui suis aussi pilote de drone, je me dis, est-ce que la télécommande d'un planeur, elle est équivalente à une autre télécommande, sachant qu'il n'y a pas de moteur, c'est que bravé par le vent, donc je me dis droite-gauche, en bas, en haut. C'est à peu près ça, c'est tout à fait ça. Bon, on n'a pas un manche de gaz, évidemment, parce que il n'y a pas de moteur, ouais. Mais on a les mêmes commandes qu'un aéronef classique, même les Airbus.
Donc, on a des ailerons qui font rouler le planeur. On a la profondeur qui permet de faire descendre ou monter le planeur. Et après, on a l'axe de lacet qui permet de pivoter le nez du planeur. Donc, c'est les mêmes commandes. Et on a aussi des volets de portance pendant la phase d'atterrissage et de décollage. Et alors, comment ça se passe concrètement parlant un championnat du monde de planeur? Ça veut dire, je me mets, j'ai jamais assisté à ça de ma vie, et Dieu sait que j'ai vu des choses dans des événements, mais il y a quoi? C'est par équipe, c'est individuel, il y a un parcours à faire, comment ça se passe? Voilà. Donc la discipline, elle présente donc une tâche de vol qui se fait comme un contre-la-montre. Donc chaque pilote vole tout seul contre la montre. Et entre deux rôles, chacun passe. Et une fois que tout le monde a fait son vol, la manche est complétée. Donc quelle est la tâche de vol? Qu'est-ce qu'il doit faire le pilote? Est-ce qu'il va faire des spirales ou quelle est sa mission? Donc sa mission, c'est une tâche de vitesse. Donc ça va assez vite. Et ça commence avec une lancée par un lanceur plus ou moins musclé. Le planeur a 30 secondes pour monter dans l'air, donc gagner en altitude. Altitude veut dire énergie. Et au bout de 30 secondes, il est obligé de se lancer dans sa course qui se fait entre deux personnes qui sont écartées de 100 mètres. Il fait 5 allers-retours. Et si on calcule vite fait dans la tête, ça fait 1000 mètres de distance. Le chrono à la première franchissement démarre. Et elle sera arrêtée à la fin. Donc après 5 allers-retours, on arrête le chrono et on regarde qui a fait ce parcours le plus rapide possible. Et donc c'est ce chrono qui détermine le succès de la tâche. Et c'est le meilleur pilote d'effort et tout le monde sera calculé par rapport à ce meilleur score. Donc c'est lui qui met la référence. Une fois une manche terminée, donc tous les pilotes ont fait un vol. On remet les compteurs et on commence une deuxième manche. Parce que dit météo veut dire aléa. Aléa veut dire un avantage pour le pilote. Donc on essaie de faire plusieurs manches, donc beaucoup de manches. Faut savoir, les pilotes qui viennent de l'étranger, de loin, ils ont des frais énormes. Ils ne viennent pas pour faire 3-4 vols. Ils viennent pour voler beaucoup. Donc, une compétition juste, elle se déroule sur 10, 15, voire 20 manches. D'accord. Et alors, lorsqu'on organise comme ça un tel événement, qui est quand même, je rappelle, championnat du monde des planeurs télécommandés, c'est quand même pas n'importe quoi. Je précise, si les gens nous rejoignent, que ce n'est pas des petits planeurs qui mesurent 10 cm, ils peuvent atteindre une envergure de 3 mètres, comme tu l'as dit. Alors, je suppose qu'il y a différents aussi types de planeurs, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour être bon pilote de planeur, c'est combien d'années d'entraînement, a priori? Bon, on a des jeunes qui rejoignent cette compétition. Il faut compter 2, 3 ans de pratique. Donc, pour savoir piloter un modèle réduit, il vous en faut un été ou avec un moniteur où vous apprenez avec une double commande de piloter. Les simulateurs sur PC aujourd'hui sont assez potables aujourd'hui. Donc, on peut déjà apprendre en hiver de piloter à travers d'un simulateur qui ne sont pas chers et que ça permet même de casser sans avoir à réparer. Donc ensuite, il faut dans la discipline sportive, il faut quand même 2, 3 ans de pratique si on veut gratter un peu les gens au podium. Donc c'est une discipline haut niveau et c'est très peu connu, ce qui est dommage. Mais juste pour vous donner une idée, un qui est très préfabriqué, on parle des modèles en carbone qui sont fabriqués dans les moules. Donc on est à 2000 euros un planeur. La radio, les ballasts, vous êtes à peu près à 2800 euros. Chaque pilote a maximum droit à 3 planeurs. Donc déjà, sans parc planeur, c'est pas anodin. On est loin des jouets. On est vraiment sur une discipline très technique, aéronautique, avec de la technicité. Ouais, surtout que si on se scratche, bien sûr, il faut réparer. En fait, c'est une petite Formule 1 quand même. C'est un petit budget qu'il faut. Ouais. Moi, j'ai la chance de travailler chez Airbus et je peux vous dire que si vous regardez les techniques de fabrication, donc des pièces moulées en carbone conçues avec l'aide de CAO, eh bien, vous êtes à la même activité que ce qui fait Airbus, notamment sur le 350, mais évidemment à une échelle complètement différente. Mais les techniques de moulage, d'usinage des moules, c'est la même.
Alors, on a bien compris un petit peu ce magnifique événement qui va avoir lieu à Limoux, bien sûr. Question pratique, si les gens veulent venir, parce que là, je suppose aussi, les gens, ils peuvent se dire, oui, mais alors, si on vient en tant que spectateur, déjà, est-ce que c'est possible, oui ou non? Et puis, est-ce qu'on va voir ces planeurs? Est-ce qu'on peut les voir assis par terre dans le champ et on peut les voir quand même voler? Ils sont visibles avec nos yeux? Vous avez une très bonne idée de l'activité. Donc, effectivement, oui, c'est ouvert. Oui, c'est en plein air. Au contraire, vous trouvez même les gens qui vous expliquent un tout petit peu ce qu'on fait. Vous venez avec un pique-nique, on vous place dans des zones de sécurité. Et juste pour vous dire, les planeurs, ils rasent la crête. Je pense que vous avez vu un peu les vidéos. Les planeurs, ils passent à 2-3 mètres du sol. Et quand on est assis, nous, 15 mètres dans une distance de sécurité à l'arrière, vous voyez pleinement le vol avec les virages, avec le passage devant le planeur, oui, devant le pilote. Alors moi, j'ai assisté à des événements comme ça d'aéromodélisme et c'est vrai que on se prête au jeu. Ça veut dire qu'on se dit, bon, on va y aller pour 10 minutes. Et en fin de compte, dès qu'on s'est posé par terre, toutes ces machines sont tellement intrigantes et absolument géniales. Tous ces pilotes qui ont des télécommandes, on se dit, mais mon Dieu, mais sur quelle touche appuyer? Et en fin de compte, on y passe vraiment l'après-midi, la journée. Et en plus, on a la chance de pouvoir parler avec les pilotes qui peuvent aussi nous expliquer plein de choses. C'est exactement ça. Et très souvent, ben, déjà le relief, il est joli. En bord de pente, on a un joli vallée devant nous. On espère d'avoir un peu de soleil, mais du vent, parce que nous, c'est le vent qui nous propulse. Pique-nique, en regardant les aussi, ce qui est très apprécié, une ambiance internationale. Ça va se charrer en anglais, les instructions sont données en anglais, mais il y a aussi pas mal de Français dans l'organisation qui font la pause et qui peuvent expliquer à ceux qui viennent visiter un tel événement de regarder ça. C'est haut en couleur, on voit les gens et c'est aussi une atmosphère amicale parce que les gens ils se connaissent. Moi je connais 2 tiers des pilotes, quelques-uns que je n'ai pas encore rencontrés dans les concours précédents, mais c'est aussi au niveau de l'ambiance internationale quelque chose qui est intéressant. Et puis si les gens ils veulent profiter, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce timing pour votre interview, la cérémonie d'ouverture se tiendra à la place de la République de Limoux à partir de 19h. Ça sera quand? Ça sera le 6? Ce dimanche 6 octobre, à partir des 19h, sera la cérémonie d'ouverture de ce championnat. Samedi et dimanche en journée, on volera déjà sur des sites. Et je peux vous inviter à regarder la page Facebook sur laquelle on va dire sur quel site on va voler parce que le vent, il change d'orientation. Donc, on est tributaire du vent et on change aussi. Donc, la page Facebook donnera le site du vol de la journée. Bon, eh ben, on a tout compris. En tout cas, c'est un événement qu'on vous propose. Ça se situe à Limoux, bien sûr, dans l'Aude. Andreas était avec nous, vice-président de l'association Éole Muret, championnat du monde des planeurs télécommandés. Ne manquez pas cet événement. En tout cas, ça commence dès ce week-end. Merci, Andreas. Avec grand plaisir.